Alors, vous êtes déjà très nombreux à avoir lu le récit de Camille Kouchner, La Familia Grande. Il y a eu énormément de presse, des interviews, des portraits, des critiques, toutes unanimes et toutes élogieuses à juste titre. Mais moi, il y a une chose qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, on se concentre sur l'inceste, qui est effectivement l'horreur absolue, mais ça arrive seulement au dernier quart du livre. Parce qu'avant, il y a tout le, je dirais, terrain préparatoire à ce qui s'est passé. Alors, Camille Kouchner s'en souvient comme de moments très heureux, de bonheur absolu. Elle adorait son beau-père, qui avait remplacé un père assez absent. Mais moi, ce que je vois en lisant ça, quand elle nous décrit leur quotidien, je vois surtout de l'amour, certes, mais beaucoup de désinvolture de la part des adultes, beaucoup de désintérêt. Il y a une liberté totale qui règne, mais en fait, on a un peu l'impression que c'est parce que les adultes veulent qu'on leur fiche la paix et qu'ils puissent eux-mêmes vaquer à leurs occupations et vivre leur vie. Et tout ça, en fait, on sent un peu la tension monter, on sent les choses arriver et on a un peu envie de se dire que ce qui est arrivé était inévitable, étant donné presque leur mode de vie. Donc on est au royaume du bobo absolu, des gens qui se sentent, qui se considèrent au-dessus des règles, au-dessus des lois même, et au-dessus surtout de tout le reste de l'humanité. Ils ont l'impression que c'est eux qui détiennent la vérité, que de se balader nu avec des enfants c'est normal, que de coucher les uns avec les autres c'est normal, que de faire fumer des enfants à 12 ans c'est normal. Et donc, c'est vrai que quand on lit ça, en plus en sachant ce qui est arrivé après, on se dit que, encore une fois, tout ça était presque inévitable. Au moment où ça se passe, la mère des enfants de Camille et de ses frères est en plein désespoir, en pleine dépression. Elle a perdu sa mère qui s'est suicidée, elle s'est mise à boire beaucoup. Le beau-père en a profité. Voilà, c'est vraiment... vraiment, vraiment terrible. Alors, ce livre est remarquable en tout point. C'est sobre. Ce n'est pas un règlement de compte. Il y a plutôt des regrets que des règlements de compte. La dignité qu'elle a montrée à la Grande Librairie l'autre jour se retrouve absolument intacte dans ce livre, qui est en plus très, très bien écrit. Alors, je ne vais pas vous dire que vous vous sentirez bien en le lisant. C'est un livre qui vous bouscule, qui vous chavire. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est assez remarquable et donc voilà, c'est toujours intéressant de lire des témoignages. Et puis alors, ça a déclenché tout un mouvement de MeToo inceste, c'est complètement fou, ça montre aussi le pouvoir que peut avoir un livre, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc La Familia Grande, Camille Kouchner, un très très beau récit et encore une fois très digne. Ben, je vous souhaite bonne lecture et à bientôt.